commencé pour moi à Concarneau, point de départ de ma première licence de football. Et puis après, c'est le point de départ aussi de ma vie d'entraîneur. Donc j'ai un lien assez fort avec ce club parce que tout simplement, c'est le club de ma ville. Et aujourd'hui au stade, ben, c'est les gars qui sont de l'autre côté de la main courante, c'est des gars qui étaient en classe avec moi, c'est des gens que je connais qui ont fait notre quotidien et qui font notre quotidien. Ici qui va pouvoir s'en faire du ballon, la frappe ! Adri, contrôle, tu trouves Charlie et ainsi de suite. Voilà, et tu pousses mon gros, ça revient vite, va y aller, contrôle. Il y a cette forme chez nous de passation de pouvoir un petit peu, c'est les Mulac, les Cloirec, les Hubert, les Viel qui ont arrêté et qui ont lancé cette génération avec les Jeannaises, les Toupins, les Drouglazais qui étaient des jeunes joueurs. Donc il y a vraiment cet esprit de défense, notre tas de fumier entre guillemets, c'est Guy Périllou, c'est à nous. Les joueurs se le sont appropriés, on dit ben voilà, c'est chez nous et personne ne vient gagner chez nous. Incroyable cette formation concarnoise qui poursuit son petit bonhomme de chemin dans son championnat. Nico aujourd'hui représente ce football breton, c'est ce football de gagnant, de conquérant et aussi ce côté amical, copain. Elle passe bien ta chemise, Pascal. On travaille à côté, on a nos familles et il le comprend bien. On s'est construit grâce à ça, c'est un état d'esprit. On n'est pas forcément tous des grands joueurs, des grands footballeurs, mais bon voilà, on s'entend bien à côté parce qu'on fait des petites choses comme ça, on se voit en dehors du football, on vit pas que du football, on fait autre chose et c'est ça aussi qui amène que voilà, sur le terrain on s'arrache les uns pour les autres et on arrive à bien figurer en championnat. Concarneau avait cette image un petit peu d'équipe. Voilà, effectivement, il fallait être courageux pour être attaquant notamment et venir jouer à Concarneau. Aujourd'hui, j'essaie simplement d'inculquer à mes joueurs un esprit, ce que j'étais peut-être en tant que joueur. C'est sûr que moi, on ne m'a jamais demandé de monter sur les corners, hein, donc on essaye de s'améliorer au niveau de la qualité du jeu produit, au niveau du spectacle offert. Ne pas oublier cette notion de plaisir et le plaisir que l'équipe peut donner, notamment aux spectateurs. Oh, la barre transversale pour William C.A. Devant, c'est prise de risque maximum où dans les 30 derniers mètres, tous les joueurs sont libres et peuvent, si à un moment donné, ils se disent bah voilà, je la tente, bah, ils peuvent la tenter. Et nous, derrière, on adhère à ça parce que c'est ça le plus difficile, marquer des buts. Ça cafouille, c'est pas fini, il est. Il faut bien tenter quelque chose de difficile pour en marquer. C'est un coach qui aime gagner, qui aime les défis et plus ils sont gros et ça lui fait vraiment pas peur. Et il nous entraîne avec lui. On respecte tout le monde. Mais on n'a peur de personne. Victoire acquise en seconde période après avoir été mené au score. Concarneau n'est plus que jamais leader de National